Salut tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un carpool. Donc du coup le dernier carpool qui datait c'était avec Joanne Pabst et sa sœur. Donc du coup aujourd'hui je vais filmer avec deux personnes iconiques, enfin, c'est deux personnes dont on parle beaucoup sur les réseaux. Un garçon qui est très beau, très stylé, une fille que j'adore. Moi personnellement cette fille je l'adorais même avant de l'avoir rencontrée. Et du coup on va les rencontrer. Donc c'est parti, je vous dis pas qui c'est, mais j'ai vraiment hâte que vous les voyez. Attendez les gars, attendez, comment on ouvre? Oh my god, et du coup les invités sont Habitue-toi et Océane. Et on a eu l'idée de ce carpool il y a genre 2 semaines, donc on a fait des tests avant, vous inquiétez pas, donc on n'a pas de masque, mais on est tous testés, c'est carré. J'ai attaché. Oh attends, hé, poutu mélanine. T'es belle. Donc franchement les gars, je suis vraiment content qu'on puisse filmer ça aujourd'hui. Ouais, ça va être incroyable, on va pouvoir parler de plein de choses sur vous, sur vos vies, vos loves, sur ce que vous aimez, parce qu'en fait c'est un carpool, hein, donc on va parler beaucoup musique. Ouais. Je vais plus en savoir sur vos goûts musicaux. Vous êtes trop frais, je me sens ridicule là. Mais ah, mon dieu, je suis sous casquette là. Attends, est-ce que si je mets la casquette là en... Ouh, attendez. Ça va. Sûr, quand même. Dis-le, on sent jamais son dégradé, ma gueule. Donc du coup les gars, je vais un peu vous demander c'est quoi vos 5 musiques en fonction de vos moods. Donnez-moi chacun une musique qui vous met de bonne humeur. Aussi, tu commences. Oh là là, attendez, je stresse. Je pense que je dirais du Nicki Minaj. Bah, vas-y, mets-nous un petit extrait. J'adore Nicki. Vous êtes plus Nicki ou Cardi? Non, Nicki. Nicki. Berk. Comment ça, Berk? Bah, je sais pas, Nicki, elle a un peu dépassé. Mais pas, alors, pas bah, du tout, en fait. Moi, c'est ça, ma chanson. This one of the boys, the promises that I made. He would call me, say, so they better be the club. We're black enough. I take it, they can't say. We're back at the game. Franchement un classique hein. Un classique super best. Je me présente s'il te plaît. Oh my god ouais. C'est vrai que c'est plutôt c'est le son qui me met de bonne humeur. Vraiment. En plus moi je connais les paroles hein. Alors en fait je m'appelle Giovanni. J'ai 26 ans, j'habite en région parisienne. Il est énervant genre, je déteste. Moi je cherche une femme, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il fait. Je me présente. Je m'appelle Abby. J'ai 26 ans. J'ai 26 quoi? L'amour. Ma princesse aujourd'hui, c'est toi, Alice. T'as vraiment des textes. Eh, mais tu sais que j'ai même pas fait exprès. Ouais, bah c'était un petit peu. Mais quand j'ai vu l'intro, t'as trop fait le mec. Quand je suis arrivé, t'as dit ça. Il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi t'es arrivé comme ça? Je leur ai dit, mais écoutez, je suis obligé, caresse. T'as dit ça. Même si je suis arrivé comme un guignol. Une musique, genre, qui vous rend nostalgique. Genre, qui vous rappelle des souvenirs que. Bah, nostalgique, quoi. Lil Wayne, Lollipop. Oh ah, mais ouais. Mais nostalgique de quoi en fait? Dans quel contexte? Bah, en fait, nostalgique, c'est quand tu me dis nostalgique, moi je vois plus comme un truc, genre, ça me rappelle l'époque. Ah, genre, l'époque, ouais. Vraiment l'époque où la maintenant, ouais. Tu connais, on est grand. Quand ouais. J'étais petit, tu connais Lil Wayne à ce restaurant-là. C'était malade, hein. C'est d'avoir les MP3, comment ça va? Oui, MP3 Lollipop en fait. Laquelle Lollipop? Tu sais que moi je connaissais pas le sens de la musique avant de grandir en fait. Moi non plus. Mais je suis chanté. Ouais, ça, moi aussi. Et en grandissant, je me suis dit bon. Ah, moi je sais. Dis-moi en fait. Je mets. Ouais, une vraie go. Ouais. Capté. Oh putain. Non, ça me rappelle 2007, putain, c'est tellement trop jeune. J'ai dit. C'était trop. C'était vraiment l'époque où on commençait à te connaître, les ambiances, les trucs. Tu connais les thèmes. Voilà. Les après-mêmes. Voilà, c'est les appareils. J'ai fond. Là, on aurait dû mettre du zouk carrément. Moi, plus jamais. Mais vous mentez, vous pouvez mentir. Je suis jamais allé. Et toi, alors, c'est quoi? Moi, ce qui me rappelle les sons, c'est Lil Bow Wow et Ciara, Like You. And then everybody show me all the things that you can show me in a special way I feel. When you only be a no reader, baby, listen. Baby, you told me and I believe it. So I ain't never everybody do me like you. On est bon là, on est bon. On est vraiment. Ouais, là, on est trop, on a les mêmes tastes. Franchement, j'aime beaucoup là-dessus. Un son genre qui vous déprime. Ça, je te laisse commencer. Franchement, moi, j'en ai beaucoup parce que moi, c'est un mec, je suis. Non. Eh, la toute son pour déprimer. T'es sensible. Ouais. C'est-à-dire que moi, ils sont tristes, j'en ai archi beaucoup, là. Genre. Il y a énormément, mais là, on dirait. Genre, tu pleures, genre? Non, je pleure pas, j'ai déjà pleuré quand j'étais petit peu. Après un jour, je me suis juré de plus jamais pleurer pour n'importe quoi, genre. Et depuis, la dernière fois que j'ai pleuré,
Je sais même plus. Si, je me rappelle. C'est quand il me voit, tu vois, des fois il pleure. Ah, non, laisse, laisse, écoutez. Moi. Franchement, moi, c'est PNL Zulu Cheng. Ça me rappelle très instru déjà. Tu vois, ton instru, en fait, être dans un mood. Ouais. Franchement, j'ai plein, ils sont tristes, hein. Je pourrais en donner mille, mais celui-là, c'est celui qui me vient en tête direct. Moi, j'aime trop pleurer en plus. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et Dark, quand il m'a regardé, tu sais. Ah, je suis bon qu'à écrire des textes de merde. Les gens nous aiment un peu plus sans la misère. Crée la couronne à l'odeur du ghetto. Allez, 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 allez. Moi, c'est ça, attends. Salut, moi, c'est Abby. Ma chanson. Ah ouais, ça commence bien, hein. Tu commences bien triste déjà. Moi, c'est pas le genre de son qui va me rendre. Ouais, moi non plus. Mais. Si tu passes à une personne en particulier, bah, bien sûr, en fait, tu connais les sons, ça dépend des moods. Regarde là, là, ce moment. Arrête, arrête, fais comme ça. Moi je dis que leur pour sourire, non. Non, ça veut faire. Ouais, non, ça c'est le son vraiment, tu vois. Moi, le son qui me fait pleurer, c'est Broken Hearted Girl de Beyoncé. Beyoncé encore, hein. Oui. La cul, non, ça, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'est fait briser le cœur. Ouais. Et moi, je la ramène à moi, même si je suis pas une fille, mais ouais, c'est la même chose en fait. Ok, bah je l'ai mise. Oh mon dieu. Eh, okay. Ah ouais, je connais. Je pleurais, les gars. Attends, 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 attends. Edouard. Eh. Oh, oh. Ça, c'est l'émotion. J'ai vu la première mesure. Maintenant, un son que vous avez en commun, genre c'est votre son, à vous. Moi je sais lequel. Est-ce que tu sais lequel? Attends, non, à trois on dit, à trois. Attends, est-ce que t'as un? Correct toi. Bluetooth de meilleur ami, Bluetooth de meilleur ami. Comment si vous trouvez pas, parce que vous êtes pas vraiment meilleur ami. Ouais. Arrête. C'est quoi toi? Mais j'ai Dream pour nous, avec Taiki. Ah mais moi c'est pas pour moi, c'est pas notre son. C'est quoi notre son? Pour moi c'est Si tu m'aimes, wesh, de Linda. Si tu m'aimes. Je te rappelle qu'on est sur les Champs-Elysées. Voilà. On est sur les Champs-Elysées. On l'a pas loué la voiture. Voilà, elle est à nous. Ouais. On est sur les Champs, je l'ai pas loué. Il est pas mal, j'aime bien. Il a été rapide. Non, regarde, c'est pas mal. Citroën, la famille, merci beaucoup. Je voulais aller à Sephora. Mais c'est fermé, ma chérie, on est en Covid en fait. Elle aime trop Sephora, tu sais pas à quel point elle aime Sephora. Elle aime Sephora, genre, c'est mon chéri. Wow. Tu vois pas, parce que Sephora, elle me dit, je sais pas. Je dis, mais la dernière fois, je t'ai acheté. Elle me dit, mais alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Une musique qui vous rappelle votre ex. Bah, moi, j'ai pas de musique qui me rappelle mon ex. Genre, parce que moi, j'en ai aucune. Je pense pas à mon ex en fait. Moi, c'est. Pour moi, l'ex, c'est le passé de ma vie, pas dans le passé. C'est quoi qui a kiffé? Vincent, moi, en plus, je me rappelle pas. Attends. Ah, c'est la question, c'est même Mus, on s'en souvient pas en fait. Ouais je pense que c'était. Non, en vérité, j'en avais un parce que je sais qu'elle avait un son qu'elle écoutait de ouf. Genre quand je l'écoute, je sais qu'elle kiffe, mais je m'en rappelle plus du tout. Donc, les gars, maintenant qu'on a su un peu vos goûts musicaux, franchement, j'ai kiffé parce qu'on a grave les mêmes en fait. Franchement, on fait pas trop d'écart. Là, je vais vous faire découvrir 4 sons que j'aime beaucoup et vous allez me donner votre avis très honnête. Hein. Mentez pas, si vous aimez pas, vous dites que vous aimez pas. Ok. Donc, le premier, c'est Lil TJ Calling My Phone. Moi, je connais. Hein. Tu connais? Je crois. C'est vraiment un son de love et tout ça, moi j'aime beaucoup les sons un peu de love et tout ça. Et moi j'aime trop les autres. Je connais. Et vous aimez bien? Je connais. Moi j'aime trop les instruments comme ça. Donc du coup les gars, j'ai un son, c'est un peu les sonorités un peu latino. Et du coup ça s'appelle Camilo Kessy. Tu connaissais? Moi j'avais regardé le clip, il est iconique le clip, j'aime trop, c'est grave festif. C'est le feu meuf, c'est grave le feu. En fait vous êtes vous deux des personnalités publiques, donc on vous voit un peu sur internet et tout ça. Sur Twitter notamment, je pense que toi Océane sur Twitter, on te lâche pas trop la grappe. Et c'est quoi le truc qui revient le plus sur vous, chacun, sur internet? Bah forcément par rapport à nous deux, hein. Savoir si vous êtes en couple ou pas, ouais. Mais dis-moi la vérité, genre dis-moi la vérité franchement. T'as rien de mentir, soyez honnête avec moi. Il n'y a jamais eu rien entre vous, même pas un bisou. Rien, rien. C'est ça le pire. Et c'est ça le plus. En fait, c'est ça qui nous tue et qui nous fait grave rire, c'est qu'il n'y a jamais eu de truc bizarre, d'ambigu, rien. Vous avez embrassé? Mais pour faire quoi?
marrant pour aller où. En vrai, ça se fait embrasser, on se rassemble aujourd'hui. En vrai de vrai. On en aura profité déjà, on se dit, bon, vas-y, bah, au moins que autant faire. Tu vois ce que je veux dire, genre. Si vraiment, elle, moi, ça serait déjà passé un truc, elle serait avec qui aujourd'hui? Je serais pas avec qui est mon meilleur pote. Si j'aurais fait un truc avec lui, j'aurais déjà dit à l'époque avant qu'ils se mettent ensemble. Du coup, lui, jamais serait bien avec elle. Vous êtes pas du genre à sortir avec les ex. Non, jamais, jamais, jamais. Déjà, il sort avec elle, il se dit, ouais, moi, ça me. Non, je suis chelou, tu vois. Donc, c'est fait qu'à Dieu. C'est mon frère, c'est comme mon frère. Ma mère, elle le prend comme son fils. Ouais, ouais. C'est tout. Bon, maintenant, je vous crois en fait. Maintenant, un truc, et ça, je pense avoir un peu de problème, un truc que vous adorez l'un chez l'autre et un truc que vous détestez. Genre, vraiment une manière ou un comportement que vous supportez pas. Chacun à votre tour. Que j'aime beaucoup chez Giovanni, c'est qu'il est généreux. En amour. Ça, c'est une très bonne qualité, hein. Genre, en amour, comme en. Les matériels, tout ça. Ouais, il est très. Les cadeaux et tout, ça y va, quoi. Ouais, moi, si même, je peux, je donne. Même en amour, genre. Il va montrer qu'il t'apprécie, genre. Ouais. Et ça fait du bien, tu vois. Et il y a un truc que je déteste, c'est quand il se renferme sur lui-même. Ah, il se renferme sur lui-même, il parle pas parler, beaucoup. Ça sert à rien de lui parler. Tu sais, il y a des moments où il faut pas lui parler, tu vois. Genre vraiment. Et il est souvent comme ça, tu vois. Non, mais je me reproche. Il reste son téléphone. Non, je me reproche, non, pas. Tu connais. Non, non, mais il est comme ça. Je suis dans mon mood, genre. Mais carrément, moi-même, après, je sais que. Genre, je vois quand ça devient trop, genre. Quand ça devient pour trop, les gens. Ouais, si, en vrai, si je peux rester comme ça toute la journée, je le resterai, tu vois. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui sont autour de moi, ils sont là pour moi. Ouais. Si je suis comme ça toute la journée, ils vont se dire, casse-toi, frère. C'est pas marrant, tu vois. Donc, moi, directement, je me calme et je retourne sourire, tu vois. Ouais. Mais sinon, c'est pas un truc qui va m'énerver parce que j'ai appris à. T'as l'habitude, ouais, tu le connais, c'est ton ami. Donc, je sais quand le laisser, je sais quand lui parler, et voilà. C'est tout. Ok, et toi? Moi, ce que j'aime bien chez Austin, c'est qu'elle est grave attentionnée. C'est une personne super attentionnée. Pas forcément, j'ai pas vu que chez moi, tu vois. Mmh. J'ai vu avec tout le monde, genre. Les autres, avec sa famille, c'est trop, elle veut te faire plaisir, genre. Tu vois, elle veut te faire plaisir, elle veut que tu sois bien. Tu vois, carré, si t'as besoin d'un truc, elle va peut-être vas-y, frère. Elle va le faire. Tu vois ce que je dis, pas, genre. Et un truc qui m'énerve, c'est dire, mais vas-y, maintenant, j'arrive à passer outre, c'est qu'elle est trop susceptible. Genre, non, mais j'ai changé, hein. En fait, elle se braque vite. Ouais, sur, voilà. Je sais pas si c'est susceptible ou pas, tu vois, j'ai pas le bon terme. Mais je fais grave des efforts. Elle se braque vite, tu vois. J'ai encore fait ça, je sais que vas-y, faut la laisser. Du coup, quand elle revient, on parle tranquille, le problème est arrivé en deux secondes, tu vois. C'est le refrain. Au début, ça me perturbait, tu vois. Ouais, un peu. Parce que je te demande, vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a, tu vois, j'essaie de comprendre. Ouais. Quand elle est comme ça, faut pas parler avec elle. Non, mais toi, des fois, t'es trop dur. Oh my god. Ouais, non, mais en tout cas, moi, je trouve que vous avez une belle amitié, franchement. Ah, je trouve ça vraiment cool. C'est pas, ça se voit que c'est pas fake. Non. C'est très, très, très vrai et c'est grave stylé. On va parler un peu d'amour, en fait. On parle un peu d'amour parce que c'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne, l'amour. Qui est en couple? Qui est célib? Je suis en couple. Alors, moi, je suis célib, mais je fréquente quelqu'un en ce moment. Ok. Voilà. Donc, du coup, toi, t'es pas. C'est un pré-couple? Voilà, c'est pré-couple. Oh my god! Et rassure-moi, c'est pas quelqu'un de la télé. Non, c'est pas quelqu'un de la télé. Non, c'est pas quelqu'un de la télé. Moi, je te dis, quand vraiment je vais mettre en couple avec quelqu'un, c'est que la personne, je l'apprécie vraiment. Ouais, c'est cette personne. Fake. Ouais, je sais que je peux dire, tu vois, dès le début, je peux dire, ouais, ça va être ma meuf. Parce que je sais que ça va être la porte. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça se voit que c'est pas votre délire, les trucs comme ça, genre, vous mettre en couple. Non. C'est pas mort. C'est pour ça que justement, elle et moi, on a jamais fait ce truc-là, tu vois. On a apprécié. Vous avez pas, malgré ce que les gens ils disaient, vous avez pas fait les gens à en rajouter des tonnes et tout ça, parce qu'en fait c'est relou quand les gens ils font ça, parce que tu sais plus s'ils sont sincères, s'ils sont là pour les likes. Non, en fait ce qui nous fait, c'est qu'on est vraiment comme ça dans la vraie vie, tu vois. Ben je le vois, là je suis avec vous depuis une heure et demie. Ouais, c'est genre comme ça en fait. Non, c'est rien. Moi je pense, de mon caractère, et même au sein, on peut pas jouer. Je peux pas, moi. Jouer un jeu de rôle, je peux quoi. S'embrasser, tu vois. Ouais, non. Ou même être pote et vraiment on est trop proche, genre en mode on fait semblant vraiment travailler, tu vois, vraiment c'est on est massin. Là. Non, je peux pas. Bah, il y en a qui le font, je pense. Bah, il y en a qui le font, tu vois. Il y en a qui le font. Ah bah oui. Ça. On n'est pas là pour tirer sur les gens, mais il y en a qui le font. Bref, ok. Du coup, vous êtes pour ou contre vous afficher sur les réseaux? Bah moi, je vais pas dire contre alors que je l'ai fait, tu vois. Non, tu l'as fait, t'as quoi tes raisons? Genre, pourquoi d'un coup tu te dis, bah si, j'assume, j'avoue. Je l'ai tout. Fait parce que on est tous les deux sur les réseaux. Ouais. Déjà de 1, de 2, on est dans le même groupe de potes, donc quand on snap entre nous, tu vois, ça peut aller très vite et j'ai pas envie que ça se sache autre part que de ma bouche, tu vois. Ouais, genre, contre ta volonté, quoi. Le dire. Enfin, de base, moi je suis pas comme ça, tu vois. Ouais. Si ça avait pas été un mec des réseaux, j'aurais pas fait. T'aurais pas fait. Ouais. Me connaît, on s'en fout, tu vois. Mais là, vas-y. En plus, il est beau, hein, franchement, c'est un beau gosse. Hein. Merci. Il est belle, il est beau, beaucoup. You for real. Vraiment, you for real, vraiment. Vraiment. Et toi, Giovanni, si demain tu te mets avec ta copine, que tu te sens bien et tout, tu sentirais de l'afficher ou non?
Moi, après, tu vois, je suis quelqu'un, j'affiche vraiment, enfin, je montre ce que j'ai envie de montrer, vraiment, ouais. Donc, si un jour je la montre, ça sera pas dans un objectif de, faut que je montre ma meuf ou quoi. C'est vraiment, ça se trouve, un jour, on a fait une belle photo. Ouais. Pour moi, la photo, elle est trop belle. Je dois la poster parce que, je sais pas, je trouve ça rentre bien dans mon film. Je la mets, puis voilà. C'est qui? Madame. Bref, faut ce que vous voulez avec, tu vois. Grave. Et puis, c'est tout, tu vois. Après, il y en a, je comprends. Moi, je trouve, en vrai, montre-le tant que ça nuit pas à ton couple. Exactement. Oui. Tu vois, tant que ça, c'est tout. C'est toi qui as le contrôle à partir du moment où tu veux le montrer, donc. C'est ça. Après, faut pas que les réseaux. Après, c'est sûr, tu connais les gens, après, quand t'es connu, ils vont forcément aller voir ton binôme, ouais, nanana, ou essayer de. Ouais, bah ouais. Mais surtout, toi, quand t'as commencé les princes, tu voyais, oh mon dieu, mais Océane, comment elle a dû réagir et tout. Genre, les gens, vraiment, pour eux, c'était vraiment. Tu te rends compte? Tu sais que les gens, ils sont culottés. Vraiment, c'est ça qui est dur. Vous pensez vraiment j'allais le laisser faire? Les gens, ils sont culottés. Bah oui, t'allais le dissuader dans la logique. En fait, t'encourageais, tu limite, tu repostais et tout. C'était ça? Jamais de la vie, j'aurais fait. Ils sont trop culottés. Ils venaient me voir en mode, mais putain, pourquoi t'as fait ça, Océane et tout? J'avais de l'argent, mais déjà, c'est pas vos affaires. Les gens, ils m'a fait flipper. C'est comme mon frère, ça. Attendez, excuse-moi, mettez pause parce que la façon dont je suis beau gosse là. Oh putain. Non, vous êtes trop beau. Genre, vraiment, je me sens ridicule. On est genre. Tous beaux. Arrête de dire n'importe quoi, toi, déjà. Qui, moi? Lui. Mais non, je me sens pas très beau par rapport à vous. Genre, franchement, vous volez tout le. Moi, je trouve que regardez là. J'ai Océane et habite dans ma voiture, quoi. Ma peau, elle ressort trop bien, genre. Non, mais regarde comment elle est belle. Non, regarde comment t'es belle. Non, mais regarde les peaux. Tu vois, la peau. La mélanine, on l'a dit, en fait. Mais du coup, vous, c'est quoi votre style à vous, genre, de mec et de meuf? Alors, c'est quoi votre style, genre? Océane, je te laisse commencer. Elle sera noire, on l'a noire, avec la barbe. Non, t'es vraiment curieux, y a vraiment que ça qui te plaît ou genre. Non, t'as... y a que ça qui me plaît. Ok, d'accord. Ah, non, c'est pas que. Non, mais genre, les autres, ils m'attirent pas, genre. Non, vraiment. Enfin, genre, vraiment que les renois. Genre, moi, Black Love à fond. Ok. Après, voilà, des beaux traits. Enfin, genre, niveau beauté, je suis pas. Moi, c'est le. Le feeling. La beauté, c'est subjonctif. Hein. Ouais. Et toi, tu. Blanche, noire. Moi déjà, je suis plus rebutismé. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, hein, tu peux voir sa tête ici. Non, mais non, rien dire. Mais j'avoue que ces derniers temps, je suis plus tismé. D'accord, parce qu'en ce moment-là, même la madame là, c'est tismé. Donc ça se passe bien. Camerounaise, suédoise. Elle m'a fait peur, Une belle tismé. Vraiment une belle tismé, franchement, elle est. Elle est belle, genre. Elle est bisous, bisous, mon chat, c'est pour toi. Oh my god, déclaration, genre. C'est précis. Tu vas à gauche. Okay. Oh, moi, je valide. T'es non, pressé pour que après les soupçons sur toi. C'est... Ouais, parce que. Elle est plus là-dedans, elle. Non, mais elle a raison, frère. Non, c'est fatigant, c'est pour usant. Le bonheur de mon frère, déjà. C'est trop chaud. Mais après, aussi, quand même, comme ça, on lâche les masques. Ouais, sinon, après, j'ai pas forcément de critères physiques précis, genre je suis lisse ou je sais pas quoi. Non, ouais, moi, tant que tu me plais, tu me plais. Et moi, franchement, après, au final, je passe que sur physique. Moi, vraiment, j'ai une panel de trucs que je peux kiffer, genre, tu vois, y'a pas de soucis, t'as les cheveux curly, t'as les cheveux ceci. Je m'en fous même, je peux raser, moi, tu vois, y'a pas de galère. Je t'en fiche. Voilà, tant que tu me plais, c'est bon. Après, le feeling, c'est trop important. Si j'ai pas le feeling avec quelqu'un, et si quelqu'un si d'a pas sonné, poser... ah là là. Ah, ça, pas, ouais, ça, c'est important, l'attention. Non, lui là, non. Attention, il est bienveillant. Ouais, il lui faut. J'ai vraiment quelqu'un qui. Pas en mode, je suis son fils, tu vois. Mais vraiment. Ou tu cherches pas une deuxième daronne, quoi. Ouais, pas une deuxième daronne. Vraiment, c'est pas ça le but, je peux m'occuper moi-même, tu vois. Pas de soucis. Mais vas-y. Donc du coup les gars là on a terminé pour la voiture, on va rentrer chez moi. Donc peut-être on peut vous filmer le trajet et tout ça. On rentre chez moi et après on va faire un peu des TikTok. Ouais. Parce que je pense que t'es un peu le roi de TikTok. Tu vas me montrer un peu les chorégraphies, quoi. Il y en a plein, j'en ai plein. Ça on fait ça. Vas-y. Donc à tout de suite. À tout de suite l'équipe. Donc les gars, nous sommes arrivés à la maison. Donc on s'est commandé à manger, mais le temps que ça arrive, du coup, on doit faire les dernières scènes pour TikTok. Moi, je sais pas du tout faire TikTok. Ils sont archi affalés, genre archi à l'aise. Et du coup, Giovanni va m'aider. Toi, tu gères un peu danser, hein, je te vois des fois. Qui? Toi. Ouais, tu gères un peu. Franchement, faut voir comment il m'engueule. Donc, du coup, Giovanni va m'expliquer. Je vais poser la caméra là. T'as la musique? Je te l'envoie sur TikTok. Me jugez pas, moi je suis pas un danseur, mais je vais essayer. 1, 2, craque pas. 1, 2, tch, oh. 1, 2, tu tapes, tu tues. 1, 2, tcha, tcha, tcha. Bah
Ok. Ils ont été des bons profs, j'ai adoré. Comment ça a pris vite, ouais. Je suis un bon élève. Donc du coup, les gars, dites-moi en commentaire quel prochain invité vous voulez. Dites-nous si vous voulez nous revoir en vidéo. Donnez l'idée en commentaire. Alors on va refaire. Ça m'a fait archi plaisir de vous recevoir chez moi, dans la voiture et tout ça. Vous revenez quand vous voulez. Je vous embrasse. On se voit pour une prochaine vidéo très bientôt. Bisous les gars. Ciao.